Bonjour, bonjour! Eh bien, je suis contente de vous retrouver pour cet album Dreamland de Ciao Bella pour la boutique Scrap for Love. On va faire le bloc numéro 4, le dernier, et donc la page numéro 7, l'avant-dernière page. Alors, ici aussi, beaucoup de superpositions, beaucoup de petites choses à coller. On a pas mal de cartes à coller l'une sur l'autre. On va s'amuser encore à faire des superpositions différentes pour essayer de faire de l'originalité avec ce papier qui est adorable. Mais vraiment relaxant, c'est doux, c'est oh, j'adore ces couleurs pastel comme ça. Beaucoup de papier de fond, donc on a pu justement agencer tous ces papiers de façon agréable pour que justement ça soit toujours dans le même ton. Alors, nous avons ici toujours pareil notre bloc, page numéro 7. On va coller notre page de fond. Ça change pas. Chaque fois, on a la possibilité de coller notre page tout de suite. Hop. Alors, j'ai choisi la licorne qui fait un petit somme. Et j'ai mis l'espace photo en haut pour justement éviter de cacher ma licorne. Donc l'espace photo, il est ici. On va pouvoir y glisser notre photo ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. On est tranquille. Alors, on va commencer par ici, puisque c'est ici qu'après, on va mettre nos aimants. Donc, on va commencer par le petit rabat de droite. Alors, que je ne me trompe pas. Ça, c'est vertical. Ça, c'est horizontal. Et ça, c'est là. Alors, les aimants, ils sont ici. Donc, tout ça, je le collerai après. On va coller notre rabat pour pouvoir y mettre nos aimants après. Alors, 10 et demi sur 22. Et sur le côté 10 et demi, on plie à 8, on plie à 8 et demi. On a toujours nos petits goussets d'un demi centimètre. Hein. Pour les uns, c'est mettre les photos quand même. Alors, 10 et demi, 22. 10 et demi, c'est 8 et 8 et demi. Ici, ça fait 22. On n'a rien à calculer. C'est la hauteur de notre page. Donc, on peut très bien mettre notre petit rabat tout de suite en place à droite. Le long de la première pliure du gousset. Voilà, ça c'est en place. On peut coller celui-ci. Puisque celui-ci est à l'intérieur, on va déjà le mettre comme ça. Ça fait toujours un papier de moins. Chaque fois je dis pareil, mais c'est vrai qu'il y a tellement de superpositions de papier, de choses différentes, que chaque fois j'ai hâte de tout coller pour être sûre de ne pas me tromper. Alors, ça c'est fait. Le reste, on verra après. On va s'occuper de celui de gauche. Alors, il y a une superposition dessus. Il y a une superposition dedans. Et les aimants, ils sont sur la carte de dessus. Ils sont ici. Donc, vous voyez, il va falloir tout monter pour qu'on puisse mettre nos aimants de l'autre côté. Alors, on va essayer d'être logique et de ne pas se tromper. Donc, oui. Donc. Ça, on verra après. Alors, d'abord, il faut coller ça. Donc, c'est comme ça. Alors, ici, on a 20,5 sur 19 et sur le côté 20,5, on plie à 18 à 18,5. 20,5, 19, 18, 18,5. Petit gousset. Ça fait que 19. Ici, on a 22. Il faut
le centré. Donc, ça fait 1,5 cm à peu près en haut et en bas. Oui, ben je vais faire un repère parce que je le sens mal. Allez, ne soyons pas feignants. On va faire nos petits repères parce que quand même, voilà, j'ai levé mon scotch, on va le faire de l'autre côté. Donc ici, on a 19. Ça fait 9,5. Là, au moins, je suis sûre d'être bien au milieu. J'avais un petit peu peur d'y aller à l'aveuglette. Voilà. Et tout de suite, voilà. Alors, ici, on a ce papier-là. Qui est donc également coupé à l'envers, mais c'est pas, enfin collé à l'envers, mais c'est pas grave puisque il y a plein de superpositions dessus, ça ne se verra pas. On utilise son papier au maximum. Par contre, vous voyez là aussi, j'ai mis du scotch au milieu. Ça fasse pas le ventre parce que comme il va y avoir des superpositions, il faut que ça tienne bien. Donc, si vous mettez de la colle, ne mettez pas de la colle qu'autour, qu'au bord. Mettez-en également sur le milieu. Il faut que tout soit bien collé. Donc, ici dessus, on a ça. Donc là, pareil. Je le mets en place. Pour essayer de mettre mes aimants le plus rapidement possible pour pas les oublier. Là aussi j'ai collé aussi sur le milieu parce que il va y avoir une carte par dessus pour que ce soit bien collé. Voilà. Alors ici on a une carte comme ceci. Ah là là. Qui va dépasser, puisque c'est là, ici, dessous, que je mets mes aimants. Donc, elle va arriver ras de mon rabat de droite. Et je la centre également en haut et en bas. Donc là, c'est facile. Ah oui, mais si je ne lève pas ça, je ne vais pas y arriver. J'ai un papier à carreaux, donc ça va être plus facile à positionner. Donc ici, bien sur le bord, puisque mes aimants sont là, hein, c'est ça qui va fermer ma page. Et je vais coller ma carte ici. Donc, je me suis très très mal prise. J'ai tellement peur de me tromper. On y arrive quand même. Va. Alors, ici, on enlève tout ça. Et on colle. Donc ici, ma page, elle est collée. Vous voyez, j'ai juste la place de mettre mes aimants de fermeture. Et je vais le faire tout de suite. Ah, ben d'habitude, on colle le papier avant. Et voilà, ben là, j'ai oublié. Donc, il va falloir que je le recoupe bêtement. Ah, mais quelle couche alors! Quand je fais des bêtises comme ça, je le sais en plus qu'il faut que je colle mon papier avant. Depuis le début, on fait comme ça. Et que je mets mes aimants par-dessus. Ah là 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 là. Heureusement, en scrap, on a toujours une porte de sortie. Hein.
Heureusement. Voilà, ça va aller. Parce que là, il y a l'épaisseur. Ouais, ça va. Alors, ici, on a nos aimants de fermeture qu'on va coller. Et bien évidemment, de l'autre côté. Pour avoir une page bien fermée. Voilà. Non, ça me plaît pas ça. Voilà. Donc bien droit. Là, mon gousset bien reconstitué. Ici, mets-toi comme il faut, toi. On ferme au bord. Et on appuie. Voilà. Ouf, ça c'est fait. Il nous aura quand même fait un peu transpirer, hein, celui-là dehors. D'album. Allez, on va coller notre papier ici. Maintenant qu'il y a les aimants, on pourra finir notre côté. Voilà, ça c'est collé. Le reste, on verra après. Principal, c'est que mes aimants soient en place, mon papier les attacher, ça on est bon. Alors ici on va avoir un papier 15-15 comme ceci qu'on va coller tout de suite. Et là, ça va nous faire notre cadre pour mettre une petite carte. Donc là, j'ai choisi la petite chouette que je vais coller au milieu comme ceci, à condition de mettre du scotch derrière. Ah là 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 là! Vous voyez, hein? Vous me faites faire, hein, des choses différentes, du coup je suis pas si à l'aise que ça, hein. Mais bon, le résultat à mon avis va être chouette, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc ici, il reste ce petit bout de papier à mettre pour cacher mes aimants. Papier que j'aurais dû mettre avant, n'est-ce pas? Vous le savez, faites pas comme moi. Parce que comme ça, c'est pas facile du tout à mettre. On reste dans les gris, c'est juste pour cacher la partie qui dépasse. Voilà. Alors, ensuite. Ah oui, ensuite, c'est là, dedans. Alors, ici, dedans, on va avoir deux cartes à coller complètement. Alors, ça, c'est une 15-4. Voilà. Donc, ça, c'est la collection 15-15. Donc, c'est 15-4 sur 15-4. Ici, on va le coller comme ceci. Au milieu, ici. Pas là, hein. Le milieu du grand rabat. On ne tient pas compte de cette partie qui dépasse. Donc, ici et ici, pareil, centré.
Donc, ben, toujours pareil, si vous voulez faire des petits repères, vous le faites. Mais comme ça, ça va aussi bien. On colle la carte qui sert de matelas en plus à notre papier. Voilà. On met notre papier dessus, comme ceci. Et nos rabats, après, ils sont très solides. Superposition, superposition. Voilà. Alors, ensuite, on a une autre carte. Celle-ci, elle fait 13,3 sur 13,3. Donc, 13,3 sur 13,3. Chaque fois, j'enlève les centimètres. Hein. Voilà. Ah oui, et celle-ci, on va la mettre comme ceci. Alors, attention, elle va dépasser ici, très légèrement. Là, on met la pointe ras du papier qu'on a collé en premier. Et ici, si ça dépasse, c'est pas grave, puisque ça cache. Donc, ici, on va le coller en diagonale. Alors là, c'est pareil, prenez votre temps. On n'est pas pressé. On centre bien. Pour que ça arrive ras du papier. Voilà, là j'y suis. On enlève le reste. J'aime beaucoup cette page, moi. Là, il ne faut pas hésiter hein, parce que il y a de l'épaisseur. Il faut que ça colle bien. Hein. Et ici, on va mettre notre papier qui va finir. Et vous voyez, je suis restée dans les gris. J'ai juste mis mon papier jaune dessous à rayures pour illuminer l'ensemble. J'ai pas mis de rose, je suis restée dans les gris. Très très joli ce papier, vraiment. C'est bien de pouvoir avoir des beaux papiers de fond comme ça, qui s'assortissent bien là. C'est vraiment très joli. Voilà, le rabat de gauche, il est fini. Parfait. Alors maintenant, on va travailler celui-ci. Donc on a une partie horizontale comme ceci. Et une partie verticale. Alors attention à vos aimants. Hein. Ils sont là. Donc il va falloir déporter pour que la carte ne soit pas sur les aimants. Alors on va d'abord coller celle qui est dessous. Voilà. Celle qui est dessous. Alors celle-ci. Oh là 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 là. Je n'ai pas marqué non plus. Ben, c'est du 11-16. C'est pas trop compliqué. Alors, celle-ci, elle est collée au milieu ici contre le papier. Non. Ah. Ben non, justement. Ah, alors attendez. Je vais vous donner les dimensions parce que sinon on va pas y arriver. On va tracer un trait sur notre carte ici à 5 cm 8. Mon crayon ici sur le côté si votre rabat est ouvert sur le côté ici gauche de la carte, on va laisser 5 cm. Qu'est-ce que j'ai dit? 5 8. Je vais le marquer comme ça. Pour celles qui ne comprennent pas le français, c'est quand même mieux de l'écrire. Voilà. Ici, on marque 5,8 cm. Et on va le coller au milieu, ici et ici.
Donc, on va faire notre petit repère du milieu pour être sûr de ne pas se tromper. Et que ce soit bien en face. Alors, moi qui n'aime pas la symétrie, là, j'en aurais pris hein, de la symétrie. Donc, c'est horizontal, comme ça. Donc là, on a 11. Donc, ça fait 5,5. Et on va coller à 5,8 ici et en tenant compte de notre repère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à 5,8 comme ceci. J'aligne mon trait. Le trait que j'ai fait ici, je l'aligne. Je tourne. Je mets mes deux petits repères en face. Et comme j'ai peur que ça bouge, je me fais encore des petits repères ici. Comme ça, je peux tranquillement enlever mes scotchs sans m'embêter. Et si vous travaillez à la colle, c'est plus facile. Hein, ce genre d'album-là, nettement plus facile. Hein. Alors, on a marqué le haut, le bas, le côté. Et en même temps, le milieu. Comme ça, on est sûr qu'elle est bien centrée. Voilà. Et on efface tout ça. Parce que c'est pas joli. Voilà. Et donc ici, on a un papier à coller. Puisque c'est un emplacement photo. Donc, on colle notre papier à sa place. Là, c'est fait. Alors, à nous. Les aimants. Pensez aux aimants de ne pas mettre votre carte dessus. Alors ici, j'ai coupé un petit morceau de papier de 4,5 cm pour le mettre ici. Et vous voyez, hein, tout est assorti pour disparaître et faire quelque chose d'assez uniforme puisqu'on croit en fait que tout est recouvert du même papier. Donc ici, on met notre morceau de papier qui va se cacher dessous. Et là, on a la carte à mettre. Alors, cette carte, quand on va la mettre en place, ici, elle va dépasser. Il faut donc la recouvrir. Donc, on met un papier. Je me suis servi du même également. C'est une feuille 30-30, ça. Donc ici, je recouvre ma carte complètement puisqu'il va y avoir des morceaux qui vont dépasser pour que ça reste assorti. C'est-à-dire que quand elle sera en place ici et que vous allez ouvrir votre rabat, ici, on va voir le même papier et c'est assorti. Donc, on met un morceau de papier. Alors, si je le mets, alors que je le colle plutôt comme ça, je pense. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tant qu'à faire, on va essayer de le mettre au milieu. Allez, on se lance. Très très peur, Michel. Pas rassuré, Michel. 1, 2, 3, 4 et demi. 1, 2, 3, 4 et demi. Et là, comme ça. J'ai peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Allez. J'ai trop peur que ce soit de travers. Donc, je vais positionner.
Ça y est, j'y suis. Ah là là, quelle trouille. Et donc, mes aimants, ils sont bien à l'extérieur. Tout va bien. Voilà. Donc ici, je colle ma carte à l'endroit, ça sera mieux. Donc là, c'est le verso de la couverture, ça. C'est le verso de la couverture dont je me suis servi pour faire une carte, en fait. Et voilà notre page numéro 7 qui se termine tranquillement, mais sûrement. Et là, il faut coller. Et j'ai oublié d'enlever les scotch. Alors, je vais le faire par-dessous. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ma carte, elle est collée complètement. Une partie sur le rabat, une partie sur la carte horizontale. Et donc, on ferme comme ceci. Ouf! C'est laborieux, hein, les enfants. Je galère, hein. J'ai galéré pour le monter, mais pour le fabriquer, mais je galère aussi pour le monter, hein. Voilà, on arrive à une page numéro 7 qui est relativement sympathique. Moi, j'aime bien, c'est décalé, j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et donc là, j'ouvre. Donc ici, j'ai un emplacement photo. Alors là, vous pouvez vous amuser hein, pour mettre les photos. Si vous la mettez à l'horizontale comme ça, un paysage, ça fait encore un décalé. Et si vous la mettez comme ça, c'est pareil. Donc là, peut-être, j'ai pas mis de petit stop parce que je ne voulais pas casser cette forme géométrique entrelacée. Si vous mettez. Alors attendez, j'en ai pas une sous la main là. Si. Si je mets une image ici, par exemple, pour glisser ma photo, je casse tout mon mécanisme de diagonale là. Donc je n'ai rien mis exprès. Parce que voilà, si vous mettez la photo en paysage, ça rajoute encore un décalé. Si vous la mettez en portrait, pareil. Clac, 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 j'aime beaucoup ça. Ça fait un peu pyramide, c'est très chouette. Et moi, ça me plaît bien. Après, ici, vous avez un emplacement photo. Ben, si vous voulez en mettre une là, il n'y a pas de souci, ça ne se voit pas. Hein. Donc ici, elle y va. Et on peut très bien en mettre une ici. Et après, une ici. Et une ici. Voilà, tout se met 1, 2, 3. Et on peut même en mettre 4 encore. Hein. Donc, vous voyez que chaque fois, c'est des albums où on ne peut pas mettre énormément de photos, mais on peut trouver des emplacements supplémentaires en mettant des cartes chaque fois amovibles qu'on peut utiliser des deux côtés. Et ici, vous pouvez rajouter, si vous voulez, une photo, puisque elle ne se voit pas. Voilà, la page numéro 7 est terminée. Ça nous fait des rabats qui sont relativement lourds. Et du coup, ça ferme très bien. Voilà, page numéro 7 terminée. Ben, on arrive presque à la fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir un montage différent de d'habitude. Et ben voilà, moi j'aime bien changer un petit peu, essayer d'autres formules, essayer d'autres techniques. Moi, je suis très curieuse et j'aime bien aller faire d'autres choses et voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ben, je suis pas déçue du montage. C'était complexe au départ, hein, parce que déjà, ben, c'est pas mon truc. Donc, beaucoup de calculs et beaucoup de réflexions sur les papiers, surtout. Mais après, voilà, le rendu, j'aime bien. Le rendu est joli. Voilà, la page numéro 7 est terminée. Rendez-vous à la page numéro 8, la dernière. Voilà, ben écoutez, c'est Dreamland de Ciao Bella et c'est pour la boutique Scrap for Love que je vous fais ce tuto. Vous avez dans la barre de description sous la vidéo tout ce qu'il vous faut comme lien pour la boutique, pour la remise qu'elle vous fait si vous êtes abonné à la chaîne, etc., etc., etc. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, mon mail, tout, tout, tout. Allez, je vous dis bonne journée, bonne soirée et puis à très très vite pour terminer cet album ensemble. Au revoir tout le monde!